Les moteurs de certains nouveaux modèles Toyota sont dotés d'une technologie novatrice de gestion des soupapes appelée Valvematic, qui améliore à la fois la performance et l'efficacité du moteur. Le système révolutionnaire Valvematic représente une façon totalement différente de gérer l'admission d'air dans un moteur par rapport à ce qui se fait depuis plus de 100 ans. La quantité d'air qui entre dans un moteur doit être contrôlée avec précision pour obtenir un rapport air-essence approprié qui produira une combustion optimale dans les cylindres. La pratique normale consiste à réguler l'admission d'air en variant l'ouverture du papillon des gaz au moyen de l'action de la pédale d'accélérateur. Les Toyota modernes emploient un système électronique intelligent de commande du papillon des gaz, ETCSI, qui fonctionne à partir des signaux du capteur de pédale d'accélérateur et d'autres capteurs. Plutôt que d'utiliser seulement l'assemblage du papillon des gaz pour gérer l'admission totale d'air dans le moteur, le système Valvematic ajoute un autre niveau de contrôle en faisant varier l'ouverture des soupapes d'admission. Cela permet de gérer plus précisément la quantité d'air qui entre dans les cylindres. Sans système Valvematic, l'ouverture des soupapes d'admission reste toujours la même, une fois tous les deux tours du moteur. Le double système de distribution à câblage variable intelligent, ou WVTI de Toyota, peut faire varier le moment exact d'ouverture et de fermeture des soupapes afin d'adapter la performance et le rendement du moteur aux conditions de fonctionnement, tout en réduisant les émissions. En ajoutant la capacité de faire aussi varier le degré d'ouverture des soupapes d'admission, le système Valvematic travaille en collaboration avec le double système VVTI pour permettre un contrôle encore plus précis de l'admission d'air dans les cylindres et donc du processus de combustion. Le résultat net est que le système Valvematic rend le moteur de votre Toyota encore plus performant tout en réduisant sa consommation et ses émissions. Il se peut que votre modèle Toyota ne soit pas doté des caractéristiques et fonctions décrites dans cette vidéo. Vous trouverez toute l'information à ce sujet dans votre manuel du propriétaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo intitulée « Connaissez votre Toyota ».